Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans une vidéo qui porte sur les différents acteurs de la chaîne de transport. Donc là, on parle du transport international. Donc il y a plusieurs acteurs qui rentrent en place. Donc en commençant par les intervenants du transport maritime et par donc ce qu'on appelle la compagnie maritime. Donc la compagnie maritime représente une société qui offre une prestation de transport maritime, soit pour les marchandises ou pour les passagers, via le moyen de navire qu'elle possède. Et dans ce cas, on parle d'un armateur ou qu'elle va affréter. Et dans ce cas, on parle d'affréteur. Donc, l'armateur, c'est lui qui apporte le matériel et s'occupe du ravitaillement du navire. Donc, on dit qu'il arme le navire. C'est pour cela qu'on l'appelle un armateur. Donc, ce peut donc être soit le propriétaire du bateau ou son affréteur. Donc, il est responsable de l'usage qui est fait du navire et des conditions de vie de l'équipage. Quant à l'affréteur, c'est une personne ou une société qui loue un navire pour un temps déterminé ou pour un voyage particulier. Et dans ce cas, l'affréteur, c'est un intermédiaire indispensable au transport de marchandises. Son travail est étroitement lié à celui des autres intervenants maritimes, que sont l'armateur, le vendeur, l'acheteur, l'agent maritime, le manutentionnaire et les autres services de douane. Alors, l'affréteur, dans ce cas, on distingue trois types d'affrètement. Il y a ce qu'on appelle l'affrètement au voyage, le trip charter. Donc, il consiste à la location d'un navire pour transporter les marchandises d'un point à un autre, donc suivant une demande. L'affrètement à temps, le time charter, il s'agit d'une location du navire avec son équipage, où l'affréteur ne prend en charge que la gestion commerciale, alors que la conduite et les questions techniques du navire sont prises en charge par le fréteur, qui est le propriétaire du navire. Il y a également l'affrètement cocnu, donc le bareboats. Dans ce type d'affrètement, l'affréteur, il prend en charge toute la gestion commerciale et technique du navire. Alors, parmi les responsabilités de l'affréteur, donc c'est donc la réception et l'enregistrement des demandes des expéditions pour le transport de leurs marchandises ou le transport bien sûr de passagers, rechercher le moyen de transport adéquat en fonction des besoins des clients, des contraintes du transport, des caractéristiques des marchandises ou des exigences des passagers. Alors, il s'occupe également de l'établissement des documents et des formulaires qui sont liés au contrat de transport et à l'affrètement. Il va prendre en charge ou s'assurer de la prise en charge des opérations d'enlèvement, d'acheminement, de distribution des marchandises en collaboration, bien sûr, avec les autres services concernés. Et dernièrement, il va contrôler donc les factures, les émargés des transporteurs, et également classer ces émargés, ce qu'on appelle les bons de livraison, qui sont retournés vers les transporteurs. Donc, dans le domaine, donc lorsqu'on parle de l'affrètement, donc il y a deux domaines normalement, il y a le domaine maritime et le domaine aérien. Donc, dans le domaine maritime, l'affréteur, c'est un intermédiaire qui est vraiment indispensable au transport de marchandises. Donc, comme j'ai dit, son travail est étroitement lié à celui des autres intervenants maritimes, que ce soit l'armateur, le vendeur, l'acheteur, l'expéditeur, le manutentionnaire et les services de douane. Dans le cas du transport aérien, donc pour exercer l'activité d'un affréteur aérien, il faut que celui ait vraiment une connaissance parfaite des caractéristiques techniques des avions qui sont utilisés dans l'aviation en général. Donc, il doit suivre en temps réel l'évolution du marché ainsi que les contraintes industrielles ou de sécurité qui sont applicables, bien sûr, aux appareils. Alors, il y a également l'affréteur dans le domaine routier, et dans ce cas, c'est le prestataire qui va fournir directement du fret à un transporteur. Donc, par dérision, l'affréteur est souvent désigné comme la personne qui se charge administrativement de rechercher du fret pour les camions d'une même entreprise de transport. Donc, on parle alors d'un exploitant routier. Alors, il y a également dans le domaine maritime, il y a également l'agent maritime. Alors, ça représente l'armateur. C'est lui qui va représenter l'armateur et s'occuper de toutes les démarches administratives, les besoins du navire avant son arrivée,
pendant la durée de son séjour dans le port et bien sûr les besoins de l'équipage. Donc il se charge aussi de gérer donc la cargaison. Donc il y a également le commissionnaire de transport et donc là c'est la personne vraiment qui va organiser le transport de l'usine au magasin. Donc il fait son choix entre les différents transporteurs selon la nature des marchandises que lui a confié bien sûr le chargeur. Il est en contact avec l'agent maritime pour réserver donc et livrer les marchandises. Donc il traite de manière directe en son nom les contrats nécessaires lorsqu'on parle des contrats de transport afin d'effectuer donc son opération, son attribution et celle d'expéditeur ou de chargeur, attribution qu'il doit faire figurer dans bien sûr et sur le document de transport. Donc le commissionnaire, donc là c'est le contrat qui lie le commissionnaire et l'exportateur, c'est le contrat, ce qu'on appelle le contrat de commission. Donc il existe trois grands types de commissionnaires. Donc on distingue normalement le commissionnaire groupeur. Dans ce cas, son rôle c'est de mettre en place des transports groupés de marchandises qui vont lui permettre par la suite d'obtenir le meilleur prix de transport pour ses donneurs d'ordre. Il y a également le commissionnaire de transport et c'est le plus connu. Donc il lui est donné la responsabilité de prendre en charge la totalité de la logistique d'acheminement. Donc il pourra à ce titre soit sous-traiter toute ou une partie des tâches qui sont inhérentes au transport. Il y a également le commissionnaire ou ce qu'on appelle l'affréteur routier. Donc son rôle se limite à un rôle d'intermédiaire entre donc la compagnie de transport et les donneurs d'ordre que peuvent par exemple être des commissionnaires de transport. Donc il existe trois types de commissionnaires, mais le plus connu c'est le commissionnaire de transport. Alors, quels sont les devoirs du commissionnaire? Alors, le commissionnaire va donc avoir la responsabilité des divers tâches parce que là, il prend en charge toute la logistique d'acheminement. Donc, il va organiser le transport. Donc, il va choisir donc soit de sous-traiter une partie ou toute la tâche. Donc, il prendra la responsabilité des fautes, des tâches qu'il lui aura lui-même réalisées ou encore fait réaliser par les autres. Donc, il aura à accomplir pour le compte de son client par les voies et les moyens bien sûr qu'il juge les mieux appropriés et les mieux adéquats sous son nom et sous sa responsabilité le transport de la marchandise qui lui a été confiée. Donc, quels sont les avantages de faire appel à un commissionnaire? Donc, l'un des avantages, c'est d'avoir recours à un commissionnaire, c'est le fait d'avoir la tranquillité qu'il offre au niveau juridique. Donc, on est vraiment tranquille parce que là, c'est le commissionnaire qui va prendre en charge la responsabilité des fautes et des tâches qu'il lui aura lui-même donc réalisées ou faire bien sûr réaliser. Donc, l'exportateur aura une seule entreprise à assigner en justice en cas d'avarie ou de perte. Alors, quelles sont les responsabilités des commissionnaires de transport? Donc, en cas d'avarie, de perte, de faute, il y a toujours un responsable et donc des indemnités à payer. Donc, la responsabilité du commissionnaire est encadrée par des articles du Code de commerce. Donc, il est tenu à une obligation de résultat, donc il est responsable de ses actes, de ceux de ses substitués, ses commissionnaires intermédiaires, ses voituriers. Donc, il peut se retourner contre ses substituts en cas de litige, alors que lui, en revanche, on ne peut en aucune manière renvoyer son client vers ceci. Donc là, c'est lui le responsable. Alors, il existe vraiment des différences de responsabilité que je vous ai donc qu'il faut mettre en tête. Donc là, il y a une grande différence de responsabilité entre ce qu'on appelle un mandataire et un commissionnaire. Donc l'une des grandes différences entre le mandataire et le commissionnaire et qu'il faut bien noter, c'est qu'il réside dans le fait que le premier, c'est-à-dire le mandataire, il a une obligation de moyens. Alors que le commissionnaire, il est tenu par une obligation de résultat. C'est-à-dire que le commissionnaire se doit de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour effectuer une opération de transport du point, bien sûr, d'enlèvement au point de livraison. Une autre différence donc entre le commissionnaire et le transitaire, c'est que donc le commissionnaire est le garant de ses substitués, ses sous-traitants, alors que le transitaire ne répond que à la seule faute prouvée donc par lui. D'accord? Alors, il y a un autre intermédiaire qui est vraiment très important lorsqu'on parle du transport international maritime, c'est le consignataire.
Alors, cette personne-là, il s'occupe du navire lors de son escale. Donc, il s'occupe du remorquage, la place du haut-port, le ravitaillement. Il organise le chargement-déchargement avec le capitaine. Donc, il est mandataire de l'armateur pour effectuer les opérations pour le navire et la cargaison à la place du capitaine. Donc, son rôle consiste principalement à préparer l'escale du navire, donc selon l'état, sa date prévue d'arrivée et bien sûr au port, aviser donc les réceptionnaires de la date d'arrivée des marchandises et introduire le manifeste en douane. Donc, le manifeste représente quand même un document qui est utilisé dans le transport maritime. Alors, il y a également le transitaire. Alors là, c'est une personne ou une entreprise mandatée par l'expéditeur ou le destinataire qui doit subir plusieurs transports successifs. Donc, sa mission, c'est quoi? C'est d'organiser la liaison entre les différents transporteurs et d'assurer la continuité du transport. Ainsi, bien sûr, que toutes les opérations administratives qui sont connexes et qui rapporte à la réglementation douanière, à la gestion administrative, à la gestion financière, la gestion du personnel, la gestion commerciale, les assurances, les crédits documentaires, donc toute la représentation fiscale. Le transitaire a un rôle vis-à-vis de son client et de sa marchandise qui consiste à informer et conseiller le client sur l'organisation du transport, renseigner le client sur les formalités douanières, et réceptionner la marchandise. Donc, il y a également ce qu'on appelle l'aconier ou le manutentionnaire. Alors, son activité, consiste à charger et à décharger les marchandises par l'envoi d'une main-d'œuvre appelée ce qu'on a, les dockers et les équipements, bien sûr, de plus en plus modernes et qui sont adéquats avec l'opération de transport. Donc, il est désigné sous le nom d'aconier, notamment dans les ports méditerranéens, pour les diverses fonctions qu'il accomplit, donc réception et garde délivrer les marchandises, etc. Donc, il y a également le coursier maritime, ou ce qu'on appelle le coursier d'assurance. Donc, c'est la personne agréée qui met en rapport les offreurs et les demandeurs de services. Donc, il lui incombe également de rédiger les contrats. Donc, il existe principalement deux types de coursiers maritimes. Il y a le coursier interprète qui est chargé de traduire donc les documents des navires étrangers, la législation des documents, etc. Et le coursier de vente et d'affrètement des navires connu comme étant un intermédiaire donc entre le fretteur et l'affrêteur et qui intervient dans l'opération de vente et d'achat de navires. La douane. Alors la douane, c'est l'organisme qui s'occupe du contrôle, donc là, des déclarations d'encaissement, des droits et des taxes des marchandises, bien sûr, qui transitent entre les pays. Alors il y a également le transporteur. Le transporteur, c'est celui qui prend en charge le transport de marchandises. Alors soit qu'il est le propriétaire ou le non-propriétaire ou un affréteur du navire. Il y a également le chargeur. Alors là, le chargeur, c'est le propriétaire de la marchandise transportée, matérialisée par un document écrit qui s'appelle le contrat de transport. Donc, son rôle consiste à préparer la marchandise, prospecter un navire et déplacer la marchandise jusqu'au port d'embarquement. Alors, chers téléspectateurs, voici donc un schéma qui va donc qui récapitule un peu tous les acteurs que nous avons vus. Donc l'exportateur, le commissionnaire de transport en relation avec les transporteurs routiers, donc les agents maritimes en relation avec la compagnie maritime et les transitaires pour les déclarations de douane bien sûr, au niveau des pays. Il y a également les commissionnaires en douane, donc en relation avec, bien sûr, les transitaires, les coursiers d'assurance, en relation avec la compagnie d'assurance, et bien sûr, les consignataires, les aconiers qui vont faire la manutention de. Donc, il y a également l'exportateur, l'agent de frais aérien, la compagnie aérienne, le transitaire, le commissionnaire en douane, le coursier d'assurance en relation avec la compagnie d'assurance et bien sûr un exportateur et un importateur qui se met au niveau d'une chaîne logistique. Donc, j'espère que vous avez donc aimé ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne et je vous promets que la prochaine portera sur les contrats et les documents accessoires qui sont liés à la gestion du transport. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.